Bah tu vois, il y aura un petit peu d'action finalement. Bon, c'est rien de bien compliqué, hein. Je pense que c'est pour casser un peu le rythme, mais c'est pas l'essentiel du jeu. Si vous voulez un jeu pour faire de la chasse au démon, il y en a encore. Où il est? Tire-toi, bonhomme. Ah, il peut m'avoir quand je suis merde. Ah merde, je suis mouru. Ah, je pensais que j'étais à l'abri dans le corps de quelqu'un. Alors, se rendre à l'appartement 4e étage. Il y en a encore. Ils sont encore là, les mecs. Je l'ai foiré. Ah, je suis encore mort. Ah, aïe, les petits enfants. Bon, on va essayer de les éviter alors, parce que là, on va se le refaire, parce que j'ai foiré ma manip tout à l'heure. Deux sur le dos là. Ça va, ils se sont tirés. Ça, lui, c'est fait. Il est où l'autre?
laisse le faire, parce que sinon il va pas arrêter de nous emmerder. Hein. Voilà. Bon bah ça c'est fait. Ok. Donc il y en a d'autres qui traînent dans le coin. Non, non, a priori on est peinard. Ça c'est quoi qu'il y a au sol? Liliane et Lilian. C'est quoi ça? Non, Lilian et Lilian. A chaque fois que Randon mentionne Lilian, je ne sais pas s'il fait référence à sa mère ou à son arme. Pour compliquer les choses, le pistolet était un cadeau de sa mère et il lui a donné son nom. Les couples normaux n'ont pas ce genre de problème. Les couples, il parle de sa mère, c'est quoi ce bordel? Ok. Donc là on est au troisième étage, c'est ça? Eux on les a vus, je sais plus. Ça m'irait très bien de regarder un film en fait. Bah ouais, bonne idée. C'est ma fête, pourquoi il faut que je prépare tout? Il pourrait pas nous arriver une aventure à l'intérieur? Quel intérêt de faire une fête s'il faut tout préparer? C'est pas comme genre du travail. Ouais, c'est comme genre du travail. Bon, ça va être un truc qu'on peut mettre en évidence, voilà. Ok. Alors, obtenir 5 de plus. Ok. Alors, l'autre, il est toujours là. Hein. Hey, c'est toi! C'est une célébrité! Vise un peu la télé! Ça va, merci. Ah, on peut faire un poltergeist, d'accord, ok. Donc là, je vais niquer sa télé. J'imagine que ça aura une utilité plus tard, le poltergeist. Il y avait quelqu'un là tout à l'heure, hein. Un instant là, derrière le lit, j'ai pas rêvé. Alors, poltergeist. Ok, bon, on va continuer à avancer, hein, histoire de vous faire voir le plus de choses au niveau du jeu. De toute façon, je sais pas si je vous l'avais dit, mais en général, une fois quand j'ai fini les... En général, quand j'ai fini mes 180 minutes chrono, je refais le jeu du début pour moi, quoi. Parce que là, je l'ai fait un peu à la va-vite, je loupe des trucs, tout ça, pour avancer dans le jeu et vous faire découvrir un peu le jeu. Donc du coup moi j'aime bien ne rien louper. Okay, alors, là on est au quatrième. Vous éloignez de la scène du crime. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Je crains que l'enquête soit toujours en cours. Un gars s'est fait jeter par la fenêtre. On n'en sait pas plus pour le moment. Jeté par la fenêtre? Par qui? Ouais, qui a fait ça? Pardon, je le répète, l'enquête suit son cours. Pourquoi il répond pas à Jill? Ces questions sont pas bêtes. Oh, c'est pas vrai. Il n'y a aucune question qui me vient, là. Je n'ai pas envie d'être seule dehors. Et il faudrait que je reste avec ce groupe quand je partirai. Non mais attends, pourquoi ils veulent rien nous dire? Ils croient quoi? Qu'on va avoir peur du tueur? Je suis déjà paniquée. Comment savez-vous qu'il n'est plus là? Ouais, comment vous le savez? En fait... Pourquoi tout le monde veut les détails sordides? C'est pas faux. C'est une fête. C'est une enquête sur un meurtre. Ce serait bien si Scott pouvait se détendre. Bon sang, mais dis-leur ce qui s'est passé. Ils le sauront bien assez tôt. Alors on va aller voir au fond, là, parce qu'il y a des fantômes et puis il y a un truc à révéler. Bah, ils sont barrés. Donc je vais pas voir hein, le truc tombeau humide là, parce que comme de toute façon il en manque et que faudra aller voir une fois que ce sera fini. Eh hey Bruce, t'avais pas vu la fille qui habite ici? Si tu la vois, tu viens me prévenir. Ok? Alors Baxter cherchant la jeune fille.
Baxter posait des questions à propos de l'une des résidentes disparues. Là, c'est ce qu'on avait vu sur le carnet de notes de l'autre en bas. Hein. Pas la Mother. Tiens, fiston, un 45. Attends, va t'amuser. Qu'est-ce que le tueur était venu faire ici? Qu'est-ce que j'ai loupé? On va chercher, hein, on va trouver. Pourquoi le tueur était-il ici? Trouver là, une réponse. Bah, on va. Si j'appuie sur Y, ça va me donner quoi? Je vais perdre des points, non? Révélé. La fonction révélée montre des restes de souvenirs gravés en ce lieu. Alors, que faisait le tueur? Cherchait quelque chose sur le départ. Déterminé. Bagarre sans but. Alors là, pour l'instant, on va pas... Bah si, là, à la limite, là où il est, s'il est dans le placard, c'est qu'il cherchait quelque chose, je pense. Donc, je pense pas qu'on devrait trop se mouiller. Après, on teste, hein, de toute façon, voilà. A priori, je pense que c'est bon. Quelque chose, ça apparemment c'est enregistré. Alors il y a quoi d'autre là-haut? Là, le X. Ok, mon arme principale. Deux flingues n'ont pas suffi à l'arrêter. Ok, il en reste plus que trois, ça. Je peux pas traverser là. Ça doit être un mur qui donne sur l'extérieur. Pourquoi le tueur était-il ici? Merde, il faut qu'on trouve ses locataires. Si elles sont encore en vie. Merde, il faut qu'on trouve ses locataires. Si elles sont encore en vie. Il s'agit de la même Cassandra Foster qui a collaboré avec la police en tant que consultante. Ok. L'une des disparues, Cassandra Foster, collaborait avec la police en tant que consultante experte en paranormal. Ok. Donc le tueur est peut-être pas un tueur humain, alors. Enfin, pas humain, ou alors il a des capacités particulières. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Le tueur reste une énigme pour la police et une ombre qui plane sur ma vie. Si seulement je pouvais protéger Joy de tout ça, je serais prête à tout. Je serais prête à l'abandonner pour qu'il ne lui arrive rien. Cassandra se soucie principalement de la sécurité de sa fille. Démarrer le média. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Ok. Le tueur reste une énigme pour... Ça c'est pour revoir, ça, c'est pas mal. C'est comme ça tu peux réexaminer les pièces à conviction si t'as un doute. Il n'y a pas un truc là. Non, il semble... Ah, si, si, il y a un truc là. Brisé, bah ouais, c'est là qu'on est passé tout à l'heure. On est passé à travers, donc forcément. Le tueur m'a jeté par cette fenêtre, ouais, ok. Combat fatidique. Ce type m'a sacrément secoué, il est d'une force surhumaine.
Ouais, ça corrobore l'histoire de la nana paranormale. Hein. Ah, Cassandra? Non, la fille de Cassandra, peut-être. Que faisait cette fille? Bagarre, observe, sur d'elle, intrusion, indifférente, calme, se cache, effrayée. Bah, se cache et effrayée, c'est les deux sont possibles, donc on va attendre un peu. Sortir. Je dois récolter un maximum d'indices avant de partir d'ici. D'accord. Y, depuis tout à l'heure, il me propose Y. On essaye Y, voir ce que ça donne. Déduction. Vous pouvez tenter de répondre à la première question à n'importe quel moment, mais une inspection approfondie de la scène sera souvent nécessaire. Ouais, donc là, il manque quand même pas mal de trucs. On va quand même chercher les indices qui manquent. Ok, donc là. Ah, là j'avais pas vu ça. Signe de lutte. Trace de lutte. Mon altercation avec le meurtrier a vite tourné au combat violent. Le 9, on l'avait fait ça. Ouais. Bah, y a rien. On a vu tout à l'heure qu'il y avait rien. Ça, c'est quoi ici, ça? Ok, donc là on peut pas passer. Alors, sur le départ, ou tout juste rentré. Des préparatifs de voyage. Pourquoi cette personne a-t-elle laissé ça? Être sur le point de se casser, je pense. Parce qu'a priori, elle était inquiète pour sa fille. Dessin d'enfant. La locataire travaille avec des enfants. On dirait des tests psychologiques. C'est des enfants qui doivent avoir des talents particuliers, puisqu'elle travaillait dans le paranormal.